Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le sixième challenge de la semaine. Cette fois, c'est encore un genetic challenge comme hier. Je sais, j'ai pas trop d'originalité, mais comme j'avais pas beaucoup d'idées, et ben je me suis dit pourquoi pas faire ce challenge avec les chiens. Parce que les chiens, c'est quand même mon chien, ma vie, et voilà. Bon. Du coup, je me suis dit, on va essayer de faire ça avec les chiens. Et du coup, bah, faire comme la dernière fois, avec les petites idées. On va faire 5 fois. On va faire 2, 3, 4, 5. Bon, il est beau. Tous les chiens, ils sont beaux en même temps. Alors, on va essayer de cliquer un petit peu partout. Les chiens, j'ai pas l'habitude. Alors, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, les oreilles. 1, 2, 3, 4, 5. Milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Du coup, les yeux, c'est fait. Le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Les petites babines. Non, les babines, ça se fait pas. Ok. Le reste ne se fait pas. Je crois. Ah, si, la peau. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est fait. On va faire le pelage. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5. Hop. Alors, on a du rose au niveau du pelage. Je tiens à le dire. Voilà. Au niveau de la fourrure, on peut le faire. 1, 2, 3, 5. Ok. Accessoire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien, tu es parfait mon chéri. Ça, on ne fait pas. Ok, du coup, voilà le premier chien. On va faire le second. Alors déjà, c'est une fille ou un garçon? Là, c'est une femelle. On va faire le mâle. Un chien. 1, 2, 3, 5. D'accord, alors on va commencer pareil par les oreilles, ah non, par la tête. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il a repris sa tête. 1, 3, 4, 5. Les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a pas l'air très très embarrassé. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Les babines, elles se font pas, le reste se fait pas. Tout fait là. Du coup, hop, on passe là. Je vais pas faire ça, mais c'est pas grave. Le corps, ah, j'ai pas fait cette terre pour l'autre, tant pis. 2, 3, 4, 5. On va le faire pour lui aussi, du coup. Le corps. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est revenu à la base. Ensuite, lui, on va faire les couleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la queue. Ok, et à la fourrure. 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, lui, ça va. Il n'a pas de couleur trop bizarre. Ça a l'air de passer. Du coup, on va faire des bébés. Pouh, il est trop... Oh mon dieu, c'est trop chou. Du coup, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est beaucoup trop chou. Mais regardez-moi, je te bouille. Je craque. Ah, je vais pas faire les accessoires à lui. Faut lui faire des accessoires, on est d'accord, avant de voir le gros. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Alors, ensuite, petit bébé, on va voir ce qu'il donne adulte. Il est beaucoup trop chou. Je fonds totalement pour ce bébé. Alors, on va voir si c'est pareil quand il sera adulte. Oh, il est trop mort. Je crois que j'ai craqué pour un chien, comme ça. Voilà, voilà. Du coup, je pense que ce challenge est réussi. Non, je veux dire, ce chien est beau. Je veux dire qu'il n'a pas les oreilles déformées et tout ça. Du coup, je me dis qu'on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. C'est un challenge qui est beaucoup plus... Enfin, c'est plus court que la première vidéo de Genetics avec les Sims, du coup. Parce qu'il y a moins à faire, mais voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Bye !